Bonjour et bienvenue dans Retro & Magic. Vous connaissez sans doute Mario Kart, célèbre franchise de Nintendo qui procure tant de fun en multijoueur. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont on va vous parler. Non, aujourd'hui nous allons revenir sur la saga Bomberman, tout aussi célèbre pour ses parties endiablées. Cette série ayant connu énormément de variantes, nous allons ici nous concentrer sur les épisodes reprenant son fameux gameplay d'origine. L'origine de la saga remonte à 1983 sur le MZ700 de Sharp. Cette année-là, deux développeurs d'Hudson Soft, messieurs Tanaka et Sasagawa, sortent Bakudan Otoko, que l'on pourrait traduire par « l'homme-bombe ». On y trouvait ce qui allait devenir les composantes essentielles de la série. Un personnage principal, un ou plusieurs antagonistes, des murs destructibles et surtout, des bombes. Le gameplay en lui-même était on ne peut plus simple. Faire disparaître tous les ennemis à l'écran grâce à des bombes habilement disposées. Sauf que pour cette première, les ennemis pouvaient passer à travers les bombes en question, ce qui obligeait le joueur à avoir un timing très précis dans ses attaques. Bakudan Otoko fut par la suite porté sur MSX ainsi que sur ZX Spectrum. Pour cette sortie européenne, il fut renommé Eric and the Floaters. Une suite exclusivement japonaise portant le nom de 3D Bomberman verra le jour sur MSX. Mais malheureusement, ce jeu ressemblait plus à une expérimentation de la part d'Hudson qui cherchait à transposer le concept en vue subjective. Ce qui donna un jeu proprement injouable où il était bien difficile d'évaluer les distances. Une donnée essentielle, surtout quand la bombe s'apprête à exploser. Suite à cet échec, cette innovation sera vite abandonnée pour revenir à l'essentiel. À la sortie de la Famicom, Hudson Soft devint rapidement l'un de ses développeurs les plus importants. Une adaptation de Bomberman fut ainsi développée en 1985 par Nakamoto Shinichi. Une adaptation que l'on peut considérer comme le véritable premier épisode de la série. Le joueur incarne donc Bomberman, un robot fabriquant des bombes dans une usine souterraine et voulant atteindre la surface afin de devenir humain. Le design du personnage était directement inspiré de celui des ennemis de la version NES de Loadrunner, également programmé par Nakamoto. Il ne s'agit pas de l'unique point commun entre les deux titres, puisque la forme humaine de Bomberman reprenait celle du héros de Loadrunner et que le jeu se concluait par une autre référence directe. N'ayant pas encore abandonné le MSX, Hudson porta la version NES sur cet ordinateur. Mais si le design des ennemis était le même, le jeu restait malgré tout bien moins coloré et fin que sur la 8-bit de Nintendo. Suite à ce premier épisode, il faudra attendre 1990 pour voir une nouvelle version de Bomberman. Et quelle version ? Sorti initialement sur PC Engine, Bomberman était jouable jusqu'à 5 et marquait l'apparition des premiers items, bien que limité à la simple augmentation de la flamme et du nombre de bombes. Cette version sera portée au Japon sur X68000 et en Europe sur Amiga, PC et Atari ST, où il sera renommé Dynablaster. Cette fois, l'histoire change, se rapprochant davantage de Megaman. Bomberman est un robot créé par le docteur Mitsumori, également créateur du Bomberman noir. Ce dernier étant devenu fou et ayant kidnappé Lisa, la fille du docteur, le joueur est chargé de la retrouver et de mettre ce sinistre individu hors d'état de nuire. L'année suivante, Bomberman 2 apparaît sur Famicom et NES et toujours sous le nom de Dynablaster en Europe. On y voit ici le Bomberman noir tendre un piège au Bomberman blanc, injustement emprisonné pour des crimes qu'il n'a pas commis. Le gameplay reste quasiment identique à la précédente version NES, mais avec quelques ennemis supplémentaires. Peu de temps après arriva Bomberman 93, sorti au Japon en 1992, d'abord sur PC Engine, puis quelques mois plus tard sur Core Graphics. Des graphismes plus beaux, des niveaux plus originaux et toujours plus de bonus en feront la version de référence pendant de nombreuses années. En 1993, la version 94 vit le jour sur PC Engine avant d'être portée sur Mega Drive un an plus tard. La principale nouveauté de cette version n'était autre que la présence de marsupiaux servant de monture au Bomberman. Cette version fut bien accueillie et popularisa la licence en Occident. Mais malgré ce succès, ce ne fut ni sur PC Engine ni sur Mega Drive que cette popularité allait réellement exploser. Le succès de la franchise franchit un cap avec l'adaptation de Bomberman sur Super Nintendo. Le Multitap, extension permettant de jouer jusqu'à 5, sorti en même temps que le jeu en 1993. Le scénario de Super Bomberman changeait des versions précédentes. Cette fois-ci, le Bomberman noir se rangeait aux côtés du Bomberman blanc afin de bloquer l'armée de robots du diabolique Carat Diamond.
mais ce fut surtout avec son mode multijoueur et grâce à la popularité de la console que ce titre devint l'un des hits de la Super Nintendo. S'ensuivit Super Bomberman 2 en 1994. Cette fois, le danger vient de l'espace. Les 5 Dastardly Bombers kidnappent le Bomberman blanc qui devra s'échapper tout au long des 5 niveaux que compte le jeu. Cet épisode s'avère encore plus beau, proposant encore plus de bonus et un mode multijoueur toujours aussi fun. Super Bomberman 3, sorti en 1995, sera aussi le dernier titre à sortir en Occident. Les Dastardly Bombers, ressuscités par leur chef, le professeur Bagula, sont de retour pour envahir la Terre. Le Bomberman blanc et le Bomberman noir vont donc devoir une nouvelle fois unir leurs forces. Cet épisode marque aussi le retour des marsupiaux, appelés Louise. Au gré des items, Louis pouvait obtenir différentes capacités, telles que le saut par-dessus les blocs ou une vitesse accrue. Le mode multijoueur permettait quant à lui d'employer tous les ports du multitap, soit un total de 5 joueurs pouvant s'affronter dans 12 arènes différentes. En 1996, Super Bomberman 4 sortit donc exclusivement au Japon. Le professeur Bagula a finalement survécu à l'explosion de son vaisseau et fait appel aux 4 rois Bombers ainsi qu'à leur chef Great Bomber pour détruire nos deux héros. Ces derniers sont transportés dans le temps à travers 5 niveaux et tout autant d'époques différentes. La principale nouveauté de ce titre était l'apparition d'eux, donnant naissance à 13 créatures différentes qui, à l'instar des Louise, offraient différentes capacités. Le dernier volet de la série sur Super Nintendo sortira en 1997. L'ennemi principal se nomme cette fois-ci Terrorin et cherche à conquérir le monde avec l'aide des 8 Kyo-Haku Bombers, ou 8 méchants Bombermen en français. Les Louise font ici leur retour et le mode multijoueur s'avère toujours aussi addictif. Mais malheureusement, la Super Nintendo arrivant en fin de vie, ce titre ne rencontra pas un grand succès public. La portable monochrome de Nintendo, le Game Boy, ne fut pas en reste et accueillit dès 1990 sa propre version de Bomberman. Appelé Bomber Boy au Japon et Atomic Punk aux États-Unis, il prit en Europe, pour la 3e fois, le nom de Dynablaster. 2 modes de jeu étaient disponibles. Le premier mettait en scène le Bomberman blanc, devant libérer des robots tout en collectant de l'argent afin d'acquérir des bonus. Le deuxième mode était un portage de la version NES, jouable à 2 via le câble Link. 1994 vit apparaître une version accueillant l'anti-héros Wario dans le jeu Wario Blast featuring Bomberman sorti uniquement en Occident. Wario débarque ainsi dans le monde de Bomberman dans le but de s'en emparer. Le Bomberman blanc va alors tout mettre en œuvre pour le stopper. Ce titre était dépourvu de mode multijoueur à moins d'être équipé d'un Super Game Boy. Car ici, jusqu'à 4 joueurs pouvaient s'affronter dans une version au graphisme coloré et d'une qualité sonore améliorée. Il est à noter qu'au Japon, Wario ne figurait pas dans le jeu, appelé Bomberman GB. Dans la version japonaise, le scénario des plus classiques oppose de nouveau le Bomberman blanc au Bomberman noir. Sa suite, baptisée Bomberman GB 2 au Japon, sortira en 1995 et en 1998 aux États-Unis, mais sous le nom de Bomberman GB tout court. Cette fois, le jeu met en scène Indie Bomber, un Bomberman chasseur de trésors à la recherche de l'anneau des souhaits. Une dernière aventure de Bomberman sur Game Boy sortie en 1996. Bomberman GB 3 était ainsi une exclusivité japonaise dont la principale nouveauté venait de Moto, offrant bien évidemment diverses capacités. Bomberman marqua un renouveau à la fois dans le puzzle game et dans le jeu à plusieurs, et ce grâce à un gameplay intuitif et de nombreux items originaux. Très populaire sur les consoles 8 et 16 bits, la série a continué à se développer sur les générations suivantes, amenant d'autres nouveautés. Mais ça, c'est une autre histoire.